Bonjour les amis, aujourd'hui on va travailler sur le son wa. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo parce qu'en fait j'ai l'école et je suis en CM1 et du coup j'ai pas mal d'évaluations. Et en collège du coup j'ai presque pas le temps de faire de vidéos. Et maintenant je vais commencer sur le son wa là. Et le titre de l'histoire de Taoki est En toi pour la colombe. D'ici tu entends le son wa. En pingouin, j'entends pas le son wa. Attention au piège du pingouin parce que c'est pas au moins, c'est pas oua, mais c'est ouin parce que c'est O-I-N. Du coup, il faut faire attention. Un oiseau, on entend le son oua. Un trottoir, on n'entend pas le son oua. Attends, un trottoir, si on entend le son oua. Une capuche, on n'entend pas le son oua. Ça, je sais pas ce que c'est, mais j'ai déjà entendu parler. Des fourmis, on entend le son. Non, on n'entend pas le son oua. Une nageoire, on entend le son oua, et un tracteur, on n'entend pas le son oua. Dis, tu entends le son oua au début ou à la fin d'un mot. Une poire, on entend le son oua au début d'un mot. Au début de la syllabe poire. Une armoire, on entend le son oua à la fin d'un mot. Une voiture, on entend le son oua au début d'un mot. Et ça c'est, je sais pas ce que c'est, mais non, ça je sais pas. Lis les syllabes. Bois, quoi, doit, loi, poids, moi, noi, roi, soit, toi, bois, rend, toi, goût, ton, pain, zou, rein, temps, poids, sans, doigt. Lis les mots. Une oie, le moi, le foie, le poids, une coiffure, bonsoir, la mémoire, voir, prévoir, pouvoir. Lis les phrases. Il aboie dès qu'il voit une voiture. Benoît a-t-il entendu une voix dans le couloir? Léroïne dénichait un grimoire dans le manoir hanté. Voici les mots outils. Contre, quand. La nuit est étoilée. Taoki s'assoit dans le jardin avec la colombe. Elle est blottie contre sa poitrine, il la touche du bout des doigts. La maman d'Hugo lui a mis un petit bout de bois pour soutenir sa patte. Elle ne souffre plus. Quand elle s'endormira, Taoki la couchera sur un mouchoir dans une jolie boîte en carton que Lily a préparé. La colombe est calme et le petit dragon s'occupe d'elle. Au fond de lui, Taoki est rempli de joie. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas de mettre plein de j'aime et de vous abonner à ma chaîne. À bientôt.